c'est le fort de la fraternité. Là, je suis sur le fort de l'îlot du Diable. Donc, on va monter. Déjà, on arrive. Il y a tout un pont comme ça, c'est magnifique. Bon, là, je suis pas en marée haute, mais à mon avis, en marée haute, ça peut être sympa, quoi. Et c'est vraiment c'est un îlot. Bon, c'est ça, deux rivières. Certainement à la base une fortification napoléonienne. Je vous rappelle, grand ennemi de l'époque, c'était l'Angleterre. Mais à l'intérieur, on va trouver aussi des fortifications allemandes, parce que le grand ennemi des Allemands, ben, c'est encore l'Angleterre. Bon, on va peut-être pas aller par là, quoique, on va essayer. Là, c'est vraiment les défenses françaises. Faut pas être bien grand, bah tant mieux, je le suis pas. N'en déplaise aux grands. Je rappelle que c'est pas abandonné depuis très longtemps non plus. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Il y a un casernement allemand en dessous. On va le faire en descendant. Je rappelle que les fortifications du coin sont entremêlées entre français, allemands, plusieurs époques. C'est plein de ronces. Pas faire grand chose non plus. Je vois qu'il y a des fortifications au bout, mais il faut les atteindre, quoi. Là-bas, là, les fortifications. Je pense que je peux l'atteindre par le casernement. Visiblement, il y avait des parois là. C'est enlevé, c'est dommage. Allez, on arrive à la fortification. Hop, casernement. Visiblement, c'est pas allemand non plus. C'est parti là, ouais, il y a des chances. Je ne sais pas vraiment, à mon avis. Peut-être des toilettes, j'ai dû prévoir des toilettes. Même on n'est pas à quoi ça peut servir. Les spécialistes du coin, s'ils peuvent mettre des commentaires, ça serait bien.
Ah, les latrines. Donc la basse paye les latrines. Alors la fortification allemande. Ah bah visiblement c'est pas une fortification allemande, c'est juste un tunnel. C'est pas incompatible non plus. Ah non, c'est une fortification. Ah oui, c'est une position de canon ça. Ah oui. Non, projecteur. Il y avait un projecteur. C'est marrant ce qu'ils ont mis en dessin. On va essayer de voir un peu plus loin. Il y a un système de retournement du projecteur. Bah, visiblement, c'est un peu plus loin. Place aux photos. Hein.